chérie, ça dit bonjour. Oui. Ça fait comme 12 mois que je ferme et ouvre la caméra. Alors, mes salutations à tous. J'ai envie de partir une aventure avec toi qui me regarde, si t'as envie d'embarquer dans l'expérience. Je t'explique. Tu es présentement sur un concept que je mets à ta disposition qui s'intitulera une vie simple. Une vie simple, c'est quoi? C'est une vie où tu prends conscience chaque jour de ce que tu fais, de ce que tu as envie d'accomplir et du potentiel que tu as envers tout ce qui t'entoure. Une vie simple, c'est quoi? C'est une vie où tu es réellement le maître de ta destinée. Ah! Une belle aventure que je te propose, quoi. pour faire court, j'ai envie d'aider les gens face à des questionnements qui se posent, face à des doutes qui se proposent au travers de leur route. J'ai envie de les épauler, de leur montrer que la vie est simple au fond, que la vie est belle. Parce qu'on a beau tout remettre au lendemain, on a beau se dire « Ah, oh, ça va pas bien aujourd'hui, ça va aller mieux demain. » La vie se doit d'être vécue à son plein potentiel. Puis je pense qu'avec l'expérience que j'ai, que j'acquire tous les jours et que j'ai envie de te partager, bien, je pense que ça en vaut la peine de partir dans cette belle aventure que je te propose. Je te propose de vivre chaque instant puis d'être en pleine conscience avec ce que tu vis. Parce qu'au fond, là, on a juste une vie, right? Après la vie, qu'est-ce qu'on a? La mort. Fait que, rendu là, t'es bien mieux de profiter de ce qu'on t'a offert à bras ouverts. C'est quand même un cadeau, ce que t'as, la vie. De réellement accomplir tes rêves. Pas juste de te chercher un métier stable, que tu dis oui, c'est correct, c'est pour rassurer, mais qu'au fond, t'es pris dans une routine que tu tripes pas. Peut-être que tu es pleinement heureux dans ce que tu opères au moment où on se parle, mais je pense qu'à quelque part, tu dois sûrement te poser des questions présentement puis te dire « Elle a peut-être pas tort sur quelques points. » Et c'est ces quelques points-là que j'ai envie de travailler avec toi. Pour vrai, ça va faire du bien. Ça va nous faire du bien parce que je suis bien placée pour t'en parler, parce que je suis présentement en processus de réellement avoir le contrôle sur ma vie puis de changer le cours des choses puis de me dire « Mon Dieu, ceci est mon histoire puis ça appartient à personne d'autre. » T'as pas à te fier au passé pour retourner dans tes remords qui... chaque jour, peut-être te hante, puis t'aurais donc voulu faire autrement, puis t'as pas non plus à te baser sur l'avenir qui est même pas encore existant. Ce que t'as à faire, c'est réellement te fier à ce moment-là qui est gratifiant pour toi. À ce moment que tous les jours, c'est quelque chose de nouveau qui te propose. Puis si tu mets réellement les efforts, comme je fais présentement, je suis quand même sortie de la maison, j'ai fait une petite marche, je me suis assise dans l'herbe parce que, mettons là, si j'en profite là, attention, waouh, check ça! Oh! Regarde! C'est pas beau, ça! Ça, là, c'est un coucher de soleil. Parce que il fait bientôt noir. Et ceci, il y en a jamais un de pareil. Ils sont tous différents. Au nombre incalculable que j'ai vu, un coucher de soleil va toujours être aussi magique et précieux. Puis, si je peux juste te faire part, là, vite comme ça, là, d'une petite citation que j'ai trouvée. Et qui en vaut la peine d'être lue, quand même. Hier est une histoire. Demain est un mystère. Et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent. Chacun de nous, on dispose d'une existence. Puis, si on prend pas conscience que c'est à nous, que c'est notre cadeau, ben, à quoi ça mène de vouloir mener un combat toute notre vie si on n'est pas pour être l'acteur principal? Toots, toots. Ouais, merci le camion. Enfin bref, on a tous une vie simple. Je pense que on a besoin de la vivre. Juste vivre tout court. Juste de... je sais pas moi, attaquer les moustiques qui tournent. Non, c'est pas vrai, on va leur donner des câlins. Mais les moustiques, en vrai, vis une vie simple. Une vie dont si t'as des doutes, de l'angoisse, du stress, c'est normal que t'en ailles. Moi-même, là, présentement, je suis encore angoissée à l'idée de faire ce processus-là. Mais si tu l'accueilles comme une bonne amie, que tu prends le temps de l'appréhender, ben, tu vas voir toute la différence. Puis pour vrai, je pense que la meilleure chose que je vais avoir fait aujourd'hui, c'est de m'être levée debout, de m'être mise devant toi, puis d'avoir publié le message. Donc, voilà, c'est mon projet! Ouh! Je sais pas encore sous quel format je vais sortir
ces vidéos-là, vu que je suis pas très technologique. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai envie de te donner des trucs, des conseils, de te faire part moi-même de mon expérience, parce que c'est encore un parcours que j'ai tous les jours à travailler sur moi-même. Puis je pense que en le montrant à quelqu'un, puis en étant en équipe, du moins, si on est tous une communauté ensemble pour la conquête de cette aventure, ben je pense que je vais trouver le nécessaire. J'ai envie de te donner des conseils, des trucs, que ce soit sur des lectures, des conférences, des invités peut-être, s'il y a des gens qui se proposent à l'aventure. Je suis 100% partante. Et j'espère que ça va te faire fait prendre conscience sur certains trucs, ce que je t'ai montré, puis que t'as pris plaisir à regarder jusqu'à la fin, parce que Dieu sait que, bon, d'une part, je me fais manger par les bébites, mais d'une autre, c'est compliqué de faire un tournage, je trouve. En tout cas, ça me prouve que j'aime bien l'expérience et que ce n'est qu'un début. Sur ce, ben, on se revoit bientôt. Bye, love!